Hello tout le monde, c'est Partoon, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais une vidéo réaction sur le site Reddit car il trouve que ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait une. Putain, la dernière vidéo sur Reddit c'était il y a un an, c'est ça? Putain, ça remonte. Ok, donc là on va regarder des choses drôles. Voilà, j'ai fait des petites recherches sur Reddit pour voir des trucs qui pouvaient être assez intéressants. Ça va être rigolo quoi. Mec, c'est quoi ce bordel gros? T'es masse les escaliers. Non mais là c'est hyper dangereux, même une personne en fauteuil roulant, elle peut avoir des problèmes. Attends, c'est quoi la légende qui écrit? C'est... Donc en gros, cette descente, ces escaliers te feront faire un câlin au mur ou te cacher une cheville. Waouh. Putain. Incroyable. Quoi, pardon. Oui, les marches. Alors vous savez que moi j'ai un escalier à peu près similaire où vraiment il y a des trous dedans. Et puis bah moi ça me dérange pas plus que ça, c'est juste ce doigt là, c'est juste le bois pas aligné là qui est chelou, mais en vrai tranquille. Il se fout de notre gueule là. Il est marqué la ville de Londres en Angleterre avec des taxis new-yorkais. Eh vous savez d'ailleurs je suis allé à Londres il y a pas longtemps, j'ai ramené quelques petites choses de Lego bien évidemment, mais aussi une casquette. Et voilà, on peut la compter en plus dans notre collection. Bref, c'était une petite aparté, revenons à la vidéo. Attends, cet escalier il me perturbe. Il est droit et en même temps il tourne. Parce que là on voit qu'il y a un truc. Genre que c'est un peu arrondi. Mais en même temps c'est tout droit. Putain c'est grave chelou. Ah oui ça. Putain. Mais là gros ils sont placés random les chiffres. Vous savez quand vous allez dans le cinéma, il y a la rangée A, B, C, D, E, F, G. Enfin en fonction de la taille de la salle. Et donc du coup il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après du coup ça fait 7, 8, 9, 10. Après 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bref. Voilà. Là frère il y a 12, G19, G33, F24, F31, F182, je sais pas frère, ils sont vraiment posés aléatoirement là. Alors du coup, là il est marqué go, sauf que là c'est jaune. Et généralement quand c'est jaune, soit tu traces ta mère pour pas avoir le rouge, soit tu ralentis. Je suis pas prêt d'avoir le permis moi. Mais là, frère, il fait jaune, fonce, alors que le vert et le rouge sont pas allumés. Oh putain. Moi je pensais que c'était un truc 3D pour montrer à quoi ça ressemblait, mais là en fait c'est une image pour montrer à quoi ça doit être un truc, je sais pas, une pub ou quelque chose comme ça, bref, une image c'est un faux truc. Ce que ça fait réaliste du coup, j'imagine bien les gens, aller hop, dedans se prendre le mur. Bon après ça se voit quand même au niveau du sol et là au niveau des lignes que c'est faux, mais... C'est quand même un assez beau trompe-œil. On pourrait faire une vidéo réaction sur les trompe-œil. C'est vrai qu'en fonction de comment tu places la bouteille, Elsa, elle peut avoir le front de Jimmy Neutron. C'est de la merde, ça. Donc là, en gros, ça serait pour séparer les personnes qui montent et qui descendent. Donc là, les personnes montent par là, sauf que les personnes, elles descendent. Elles vont pas où là? C'est bloqué, elles peuvent pas passer. C'est mort. Qui d'entre vous a déjà joué Uno? Est-ce qu'on est d'accord que cette carte n'existe pas? La carte plus 1 n'existe pas. C'est des plus 2 ou des plus 4. Et crois-moi que j'en ai bouffé des plus 4. Il vient niquer la vidéo. Oh non, oh non. Est-ce que le gag c'est qu'il ira tout leur tour à cause du gars? Ouais ça y est j'ai compris. On va parler de 2 minutes, c'est bon, 2 vidéos on a compris. Bro, what the fuck? En fait, d'un côté je l'ai vu, et d'un autre côté je trouve ça horrible et dégueulasse, c'est vraiment c'est de la merde. Mais d'un autre côté je l'ai vu pour Halloween. Genre je marche comme ça dans ma maison, hop, avec mes chaussures, ah, c'est trop bien. Oh, c'était grave mon réflexe. Vous savez que, par exemple, quand je me cogne contre ça, je suis énervé, je donne un coup contre le mur. C'est vraiment un réflexe de gamin. Je sais pas pourquoi, quand parfois t'es énervé contre un truc,
tu frappes l'objet en l'espérant s'il a mal, alors qu'en fait tu te baises la tête en fonction, enfin tu te baises de là où t'as mal, et en même temps tu te baises la main. Du coup tu te fais doublement baiser, gros. Oh merde. En fait, je l'avais déjà vu ce genre de vidéo, voilà, c'est assez connu ce truc, mais c'est drôle. C'est bon, lui, il est plus connecté dans notre monde, là, c'est bon, mon frère. C'est bon, lui, dans 5 ans, il est gros. Ça se voit, lui, il en a rien à foutre du tout, il est dans son monde en train de regarder des vidéos, en train de faire je sais pas quoi, il se déplace même plus, il roule. Il roule, il marche plus, il roule. Eh ben bravo pour cette petite dessin. Alors sachez que ça m'arrive très très souvent. Regardez, sur mon téléphone, je mets par exemple une horaire à 7h. 7h05, 7h10, 7h15, 7h20, 7h25. J'ai fait un truc pour brain mon cerveau et ça a réussi. Donc admettons que vous devez vous lever à 7h. Donc vous mettez votre alarme à 7h et vous mettez une autre alarme bien avant, par exemple à 6h30 ou à 6h. Comme ça, vous voyez votre alarme, vous vous dites Let's go, j'ai encore 1 heure ou Let's go, j'ai encore 30 minutes. Alors qu'en fait, bah, vous réveillez à l'heure normale, c'est juste que. Dans mon cerveau, pour moi, je me dis, let's go, j'ai encore plus dormi, j'ai fait une petite grasse mat de 1 heure ou 30 minutes. Bon, ce matin, j'ai failli être en retard, mais voilà, c'est un détail. Au lieu de me lever à 7h, je me suis levé à 7h41. Du coup, comment ça. Ah ouais, ils ont descendu le store. T'as un mec, imagine. Comment t'arrives à te retrouver dans ce genre de situation? Genre, il y a un magasin qui ouvre, du coup, les portes métalliques, elles montent, tu vois, elles vont montrer les vitrines, tout ça. Et là, tu te fais accrocher, du coup, tu montes aussi, mec, c'est grave chelou, c'est grave drôle. Il y a une personne qui modifie sa note. Donc, elle a eu 31 sur 100. Donc, elle modifie, du coup, ça lui fait 84 sur 100, ce qui est déjà pas dégueu. Donc là, il te fait un A+. Donc ça, en gros, c'est une très bonne note. Et là, il fait very good. Donc en gros, c'est genre très bien, sauf qu'il écrit very good. Parce que à good, il y a 2 O. Donc là. Mais surtout, le truc qui compte, c'est que la prof a corrigé les exercices. On le voit là. Donc, si tu regardes rapidement et qu'il y a du rouge partout, c'est qu'il a pas eu 84. Non, non. Attends, Oh. attends, attends, attends. J'ai l'impression que ces animations elles sont douteuses de fou là. Oh. C'est pour ça que j'aime Internet. Ça c'est Jackass, ça c'est incroyable. J'ai tout de suite reconnu. Bam! Mec, Jackass est tellement incroyable. D'ailleurs, il y aura un Jackass 3. Je vous le dis tout de suite, il y aura un Jackass 3. On commence à réfléchir à des idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-les moi dans les commentaires. Mais il y en aura un. Il va prendre du temps à venir parce que bah, ça va être compliqué pour moi pour m'organiser cette année. Mais il y aura un Jackass 3, ne vous inquiétez pas. Oh, nein, 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 vielen Dank. Danke schön. Okay. Bitte nicht so viel. On dirait l'épisode de Mister V. On dirait les vidéos de Mister V. Il a rien de d'original. C'est pas une légende. La légende, c'est Mister V. Il a déjà fait des vidéos comme ça. Donc là, il a filmé un reportage sur des dindons ou sur ses animaux. Il y en a un, il le pince. Et tous les autres, ils rigolent. On dirait, tu sais, les potes qui te lancent un défi con et ils rigolent tous. T'es né loupé. Qu'est-ce qu'ils font?
Oh non, je sais. Il va lui éclater les couilles avec. C'est incroyable à faire. Je vais faire ça. Damn, man. Mais gros, t'as vu, ils se mettent bien les gens de Amazon Prime. Oui, si tu veux, d'accord. Casser la planche avec ta bite. Bref, donc voilà, on a fait un... Oh là là. Comment je peux dire que j'ai fait un petit tour alors que ça fait 1 heure que je tourne la vidéo et que je m'en suis pas rendu compte et que la vidéo va durer probablement 20 minutes. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons, bye. Thank you.